Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va aller à Montpellier. Regardez-moi ça. C'est abusé. Mon Dieu, en plus j'ai l'œil tout rouge. Ça fait 2 mois que j'ai des allergies. Donc voilà, là, on va aller à Montpellier parce que ben, ça fait combien? Depuis le mois de juin que j'ai ma voiture en panne, enfin qui est démontée. Et impossible de trouver la pièce qu'il me fallait. Donc là, on l'a trouvée sur Montpellier, donc on va la chercher. Parce que franchement, introuvable cette pièce. Donc ça fait depuis le mois de juin que je suis à pied. Voilà, que je suis obligée de me balader à droite à gauche avec les voitures des autres. Donc là, je suis trop contente, on va aller chercher ma pièce. Je vais vous montrer, du coup, vu que ben, on est en alerte rouge, orange, noir, je sais pas quelle couleur. Nous allons pas manger ni au restaurant, ni nulle part. Donc, je prépare des sandwichs, je vous montre. Petit sandwich Portisen. Voilà. Du beurre et du saumon avec un pain. Moi, j'ai préféré le pain viennois. Comme ça, avec le saumon. Ça, c'est le pain au thon pour monsieur. Et Shashuna, un petit pain au gouda. Et oui. Donc, voilà. Donc, là, j'ai préparé ça. Je vais préparer des chips. De quoi déjeuner. Alors, de quoi déjeuner, par contre. On a préparé. Attendez, je vous montre. Hop. On va prendre ça. Voilà. Et Chachou, vu qu'il n'aime pas, mais lui, il prendra ça avec des gâteaux. Voilà, j'ai tout préparé. Voilà. Donc là, on y va pour 3 heures de route. 3 h 30. Voilà. Bon, je vous retrouve plus tard. Je vais finir de me préparer parce que on devait partir à 7 h. Il est déjà 7 heures. Voilà. Bon, à plus tard. C'est ça. C'est bon, Tisane, il est bon le cappuccino? Cappuccino de chez Lidl. Tu te rappelles? Petit cappuccino. Ça va, il est pas mal. Avec le petit cookie. Combien? 238 calories? Ouais. 238 calories, le petit déjeuner complet. Ah. Et en plus, il va faire beau aujourd'hui. Ça, c'est bien, ça. On a choisi le bonjour. Bon, du coup, là, on est arrivé à Agde. On est venu chercher un petit truc. Là, vite fait, un petit peu quand même, non? Et c'est super mignon. C'est joli, je vais vous montrer. On est déjà venu à Agde. Hein? Oui. Hein? Non. Si? Je sais pas quand, mais moi aussi. De quoi? Hein? De quoi? Ouais. Des TikTok? TikTok de le truc. Quoi. À quelle heure tu les mets, les TikTok? Ah oui, pour Michael Jackson. Pour Tim Burton. Michael Jackson. C'est Tim Burton. Non, quand ils font avec le TikTok avec des yeux qui tombent comme ça. Bah moi j'ai vu Tim Burton. Non, va voir Fabien, tu vois, il le fait bien et c'est Jackson. Du coup, voilà, là on repart sur Montpellier. Hein, du coup, là on s'est juste un petit peu arrêté. Je vais vous faire montrer un petit peu le paysage. C'est juste un port. Et voilà, oui, j'ai un bouton. Là. Ma vie. Regardez, c'est mignon un petit peu, non, quand même, non? Regardez, c'est un petit peu mignon. Ils sont en train d'arranger, de réparer les jet skis. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Regarde la gueule que ça m'a fait, ouais. Il arrive pas et ça bouge. C'est ça. Ça bouge. Je vais le caler où, le téléphone? Tu peux pas le caler. J'allais dire une connerie. Elle est en train de chercher pour caler son téléphone. Mais va te faire. Va. Hein? Tu n'as rien dit. Bah alors, mais attends, on veut te regarder faire un TikTok nous aussi. Pas le caler. Le téléphone. Pas ça, mais... On me voit ou je rêve? Merde. Je vois. C'est pire. Fais voir de près, vite. Ça marche. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est nul, genre. Par contre, j'en ai une bonne à vous apprendre. Hein. J'ai bu le cappuccino là ce matin. Mon Dieu, j'ai la vessie pleine. Je sais pas comment je vais faire pour tenir jusqu'à ce soir. En plus, j'ai oublié de prendre mon petit bitonio pour pisser debout. Putain, je suis dégoûtée. J'ai déjà la vessie pleine. Je ne compte pas aller faire pipi quelque part dans un restaurant ou autre parce que des fois... Non, j'allais dire ça m'arrive, mais ça m'est jamais arrivé à part quand on avait été à Montpellier que j'en pouvais plus. Non, on avait été à Toulon, pardon. Mais je compte pas aller pisser.
Mais alors, je vous dis pas comment j'ai la vessie, elle est pleine, je vous le dis, moi. L'autre, elle a les lèvres en feu, là-bas. Du bon, mais mentholé, ça me défonce. Quelle idée. J'ai pas de la belle eau, j'ai les lèvres sèches. Ah ouais. Point au Gros du Roi. On a pris la petite glacière et on va aller manger, là, vite fait. Parce qu'il faut qu'on soit rentrés, je vous le dis, les enfants, pour le couvre-feu 21h. Donc, on va pas traîner toute la journée. Donc là, on va manger. Après, il faut à tout prix que j'aille pisser parce que franchement, ça me monte jusqu'au au milieu du nombril. Donc voilà. Mais là, on va aller manger déjà. Et en plus, on n'a pas le masque. Normalement, c'est port du masque obligatoire. Mais j'ai vu que les gens sur la plage n'avaient pas le masque. Il n'y a personne, donc ça va. Non, ils n'ont pas le masque, personne. On peut pas rêver mieux, Tyssen. Hein? Voilà, en botte et en coulant, mais on est bien. Hein. Petit sandwich. À quoi? Au saumon. Ouais. Petit peu de chips, ça, pour le régime. Voilà. Hein. On est dans un restaurant meilleur que au restaurant. On est au bord de la place, carrément. Petit pain viennois. Nickel. Alléluia, j'ai enfin récupéré mes meubles de cuisine qui me manquent depuis 6 mois. Parce que dans ma ville, en fait, ils n'avaient pas. Ça fait je sais pas combien de temps que je les attends. Et du coup, je suis passée par une autre ville et je les ai trouvés. Et la pièce de ma voiture, parce que je vais pouvoir récupérer ma voiture aussi. Impeccable. Plus qu'à montrer, à monter ça et je vous montrerai une fois fini la cuisine à quoi elle ressemble. Parce que ben, vous attendez tous avec impatience. 200 personnes. J'ai même pas supprimé tout le monde parce qu'en fait il y avait des gens. Elle raconte sa vie celle-là. Il y avait des gens, je connais ni d'un ni d'un. Bon allez, on rentre parce que je suis. Attendez, je vais filmer à la face. Du coup, je disais, je ne peux plus marcher, je n'ai jamais eu la vessie autant pleine de ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, si c'est le cappuccino ou pas, mais je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive comme ça. D'habitude, je pisse jamais. Je pisse une fois par jour, je crois, j'ai fait de la rétention d'eau. Et ben, comme j'aime pas, je déteste pisser dans les lieux publics, mais je préfère me retenir. Et là, encore plus avec le Covid, alors là, c'est encore pire, je pisse pas. J'aurais dû pisser dans la nature ou j'aurais dû prendre, tu sais, mon truc là. Oui. Ça aurait été bien, non? J'aurais pissé debout devant les gens. Mais alors là, il me tarde une chose. Tu fais comment avec ta robe? Ben, j'aurais levé que le devant. Ben, le collant. Ben, j'aurais baissé le collant. J'aurais fait comme les hommes, hein. Comment ils font les hommes? Vraiment. Voilà. On rentre à la maison, la journée est terminée et ben, du coup on a été productif parce qu'on a j'ai récupéré pour ma voiture et pour ma cuisine. Alléluia. Qu'est-ce que t'as? J'en pleure. J'avais le ventre gonflé. Regardez. J'avais tellement envie de pisser que ça sort pas. J'y arrive pas, c'est impossible. C'est bizarre quand même. Franchement, là, je vous ai amené avec moi aux toilettes. Mais j'ai pas réussi à pisser. Est-ce que ça vous le fait? Je sais pas si vous m'avez entendu d'aller aux toilettes. Je parlais pas fort parce que j'aime pas parler fort d'aller aux toilettes. Est-ce que vous m'avez est-ce que ça vous arrive aussi quand vous avez tellement envie d'aller aux toilettes? Par exemple, la nuit, ça m'arrive à moi. Quand j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes, en fait, ben, j'arrive pas à faire pipi. J'arrive pas, c'est impossible. C'est à dire que là j'ai fait pipi mais pas comme j'aurais voulu en fait. Donc je suis un petit peu dégoûtée là. Là je vais aller faire à manger, je sais pas du tout ce que je vais faire à manger en sachant qu'il est 9, ben, il est 8h. On est rentré juste avant le couvre-feu heureusement. Et puis voilà, je sais pas du tout ce que je vais faire à manger et je vais voir. Peut-être une pizza, peut-être je sais pas, j'avais envie de manger un filet. Non, un fish and chips. Ouais, j'avais envie de manger ça. Je vais voir ce qu'il y a dans mon frigo et dans mon congélateur, un truc rapide parce que là, franchement, j'ai pas envie de cuisiner. Demain, c'est dimanche, je vais faire un joli plat. Je vais essayer demain de tourner un vlog ménage. Je vais essayer. Je vous promets rien, mais je vais essayer parce que j'aime pas trop montrer mon intérieur. Donc, je vous filmerai en gros ce que je fais, mais sans montrer trop mon intérieur.
Donc voilà. Je pense qu'on va se quitter là. Peut-être que je vais vous montrer ce qu'on va manger. Je vais vous montrer ce qu'on va manger. Et puis après, je vous dirai bye bye. Tu vas me faire une connerie. Mais t'es con ou quoi? Je finis le vlog. Enfin, j'essaie de finir le vlog, sinon il va être court. Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce que t'as une idée? Bah en même temps, si tu regardais mes stories, peut-être t'aurais vu. Bref. T'as dit quoi? Hein? Pourquoi t'as dit quoi sur les stories? Bref. Moi, pourquoi j'en sais rien. Mais voilà quoi. Pas pizza encore, hein? Non, parce qu'on m'a suggéré pizza, mais j'ai pas envie de manger pizza, moi. On va voir. Bon, allez, viens avec moi, viens m'aider, oh. Elle attend, là, avec ses pieds dégueulasses, là. Oh, de les pieds. Mes pieds d'or. Tes pieds quoi? D'or. D'or? Mes plus beaux pieds. Tes pieds de... comment on appelle ça? De toc, oui. Bon, allez, viens, on va chercher à manger. C'est ça, parce que je sais que les asthmatiques, ils reçoivent ça. Tissène, tous les ans, elle reçoit ça. Tu vas le faire ou pas? Parce qu'il y en a qui disent que ça sert à rien de faire ça, mais pour les asthmatiques, c'est un peu mieux. Donc, Tissène a reçu ça, le vaccin de la grippe. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de le faire en sachant qu'à ce moment, il y a le Covid? Je sais pas. Pourquoi ça sert à quoi? Pourquoi? Comment ça? C'est quoi le rapport? Ben, je sais pas. En fait. Regardez, c'est le tiroir qui me manque pour ma cuisine, comme ça je pourrais vous la montrer en entier. Bon, en attendant, j'ai mis tout mon bric-à-broc, ça c'est les trucs du four et tout ça, j'attends vraiment. Il y a les tournevis, les vis, les multiprises, il y a un panier, j'ai un peu mis n'importe quoi en attendant. Il me tarde juste qu'il me monte les trois trucs là, comme ça je vais pouvoir faire un tri dans mes tiroirs de notre cuisine là-bas, et je vais pouvoir y mettre plein de choses et faire un tri, et trier mes tiroirs là-bas, ça va me faire du bien. Donc voilà, ça fait 6 mois que ben, je suis comme ça, avec ma cuisine. Voilà. Donc là, je vais chercher ce que nous allons manger. Je ne me suis pas embêtée. J'ai fait 2 frites au four. Une pizza avec du pain pour ceux qui veulent manger du fromage. Et moi, je me suis fait cuire le fish and chips là-dedans. Voilà. Donc on va manger ça. Et ça ira très bien pour ce soir. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Bon, les enfants, on vient de faire un live sur TikTok. C'était bien ou pas? C'était cool. Donc là, je vais arrêter. On va s'arrêter là. Je vais me démaquiller. Et je vais monter la vidéo pour demain. Voilà. Je vais passer une bonne petite partie de la nuit. Alors que j'ai dormi 3 heures cette nuit. Ça va te faire du bien un peu. Voilà, j'ai attrapé des jetards par... Oh, regarde. On dirait que j'ai la lèvre coupée, là. Ah ouais. Ah, c'est là. Ah ouais. Et on va aller. Je sais pas. Zéro. C'est dans quoi? Bon, allez, on vous laisse là. Ouais, on vous fait des bisous. Puis à bientôt, ouais. Bye bye.